Yo, salut tout le monde, c'est Bouscaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gens sur Battlefield Hardline, la bêta, on est sur PC et on est parti. Donc j'espère que vous allez bien. On va tenter de faire un bon truc. Donc je vais vous parler un petit peu de la bêta, de l'avancée ou du régressement qu'il y a par rapport à la première bêta qu'on avait eue à l'E3 2014. Donc voilà tout ça. Donc on est parti, en arme principale j'ai une RO machin, je sais plus trop quoi, et puis en arme. Allez d'accord. Ok d'accord, ça m'a rechangé mes armes secondaires. Bon bah, why not, hein. Donc on va tenter de gérer un minimum. En sachant que je commence à connaître un petit peu les spots avantageux de cette map. Donc là, j'ai choisi ce mode de jeu parce qu'il ne dure pas longtemps. Et du coup, je vais pouvoir enchaîner plusieurs parties. Parce que l'autre, c'est que de la conquête, l'autre map. Et du coup, c'est un peu long. La conquête, donc je vous ferai une vidéo mais condensée hein, avec des petits morceaux de gameplay sur l'autre map. Voilà, donc on va parler un peu de Battlefield. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette bêta? Là, il faut savoir que je joue en élevé, hein, donc le jeu est presque à son maximum. Si je joue en ultra, ma carte graphique ça passe pas trop. C'est un petit peu comment dire. Voilà, on commence par une quad. Oh le bâtard! Ma carte graphique, donc c'est quand même une bête de carte graphique, hein, c'est l'une des dernières GTX. Ne fait pas tourner mon jeu en ultra. Enfin, ici il le fait tourner, mais si je me mets en ultra, je dois être en 60 FPS, 55, un truc comme ça. C'est pas ce que je préfère. Putain, merci mec, tu m'as sauvé la life. Enfin, ou pas en fait. Hein. Donc c'est pas trop ce que je préfère, donc voilà, bon, je l'ai mis en élevé, bon c'est à peu près la même chose. Hein. La première bêta, il y en a un deuxième, je l'ai vu, ouais, j'ai changé de position. La première bêta me permettait de faire tourner le jeu en ultra. J'ai flippé là sur le coup. Mais cette deuxième bêta ne me le permet pas, donc voilà, je sais pas trop pourquoi, c'est comme ça. Donc aussi le jeu a été... Enfin il est plus moche, moi je le trouve pas très beau. Je le trouve vraiment pas très beau par rapport à la première bêta, je trouve que il est beaucoup moins beau. Bon après voilà, hein. Ce n'est que mon avis, mais il y a beaucoup de gens. J'avais vu des screens sur Twitter, sur ma dernière vidéo de BF4, j'avais dit... ça va être des fakes ou des trucs bizarres, mais en fait non, c'est il est comme ça vraiment le jeu. Il est pas sublime sublime par rapport à la première bêta, hein, je trouve. Franchement, la première bêta était claquée vraiment au niveau visuel, mais là c'est un petit peu, c'est pas trop le cas. What mec, t'es sérieux là? Bon voilà, j'ai dit assez de conneries. J'ai pas aussi en plus de envie de passer pour le gros rageux extrême. Et sinon, non, le jeu est vraiment bien, c'est nerveux, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des armes, je ne pourrais pas dire mieux. On a la M16A3, on a des choses vraiment top. On a la M416 aussi, on l'a encore. On va sûrement avoir une M4, je pense. On a des armes que j'aime bien, genre la P90, la MP5, sans déconner, la MP5K, là, que je surkiffe. On a beaucoup d'armes vraiment cool. Donc vraiment au niveau des armes, un gros gros plus ce Battlefield, pardon, putain. Le mec il veut se faire tout de suite. Mais voilà, c'est un peu au niveau des graphismes que ça pêche un peu. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. Ah merde, désolé mec, j'avais déjà... Hop. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Le jeu avait été annoncé. Bon, là, je suis en train de vraiment rager dessus, mais je rage pas du tout, je le kiffe, hein, sincèrement. Voilà, ça m'avait un petit peu déçu juste au niveau de ça. Le jeu avait été annoncé sur Next Gen en 1080p 60 images par seconde sur les deux, que ce soit Xbox One ou PS4. Malheureusement, le jeu ne... Ah, merde, c'est un gentil. Malheureusement, le jeu... Enfin, le jeu ne pourra pas tenir ses promesses-là. Parce que en fait, putain, j'ai plus de balles. Alors montre-moi ce gun parce que beaucoup de gens jouent avec, me défoncent et ça me casse les couilles. Donc, on va voir ce que ça donne, on verra bien.
Ok, bah il a l'air assez pas mal, hein. C'est un pompe normal, on va dire. On avait l'habitude dans BF4 et BF3. Sinon. Oui, donc en fait, voilà, il ne pourra pas être en 1080p. Le jeu est trop gourmand en fait. Et donc en fait, sera annoncé en 720p sur Xbox One et 900p pardon sur PS4. Voilà, tout simplement. Donc ça a été annoncé officiellement. Bon, c'est pas non plus une énorme chose. Hein. Oh, je l'ai hitmarqué. Attends, je l'ai même pas eu. Oh, lui. Un hitmarker à 1 mètre, je suis dégoûté. Et j'ai testé la bêta, je l'ai téléchargé sur Xbox One. Le jeu, comment dire, le jeu est moche. Voilà, je suis désolé de vous le dire, le jeu est moche, voilà. Oh, attendez, oh putain, attendez. Ah non, merde, je peux pas l'acheter. Ah, je suis dégoûté, je croyais. Le jeu est immonde, mais vraiment, non mais enfin, il est pas immonde, mais par rapport à BF4, sans déconner. Alors, j'ai jamais vu BF4 tourner sur PS4 ou que ce soit sur Xbox One, mais par contre, je l'ai vu en vidéo. Donc je sais très bien à quoi il ressemble. J'ai vu beaucoup de vidéos sur BF4, PS4, et que ce soit aussi Xbox One. Le jeu n'est pas aussi moche. Là, le jeu, il est pixelisé, les gens. Il est, vous avez l'impression que c'est Minecraft, de loin. Et quand je vous dis... attends, il est où? Attends, il est où, mec? Qui m'a tiré dessus? Oh, le bâtard, ce qui m'a mis de loin, en plus. GG. En fait, il est... Déjà, il y a l'antigrénelage qui est immonde dessus. Et quand vous avez une longue distance, le jeu a tendance à se pixeliser de loin, en fait. Donc, c'est assez désagréable et vous perdez surtout en précision de loin, tout simplement. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est, je vous le dis, hein, je vous le dis. De toute façon, pour ceux qui ont une PS4 ou une Xbox One, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la bêta et vous penserez à la même chose, sûrement. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, surtout que la maniabilité sur console est vraiment bonne. Hein. On n'a pas trop un effet de lourdeur, comme j'avais un peu peur. Mais non, vraiment, vraiment très bonne la maniabilité. Vraiment, il est vraiment bien foutu. En tout cas, moi, je trouve qu'il a vraiment été pensé aussi pour la console et c'est vraiment super dans les deux cas. Donc, voilà. Mais sinon, vraiment, le jeu est nerveux, dynamique, il y a énormément de choix d'armes, rien que pour la bêta. Après, j'ai vu des gens dessus avec des armes que j'avais pas vues avant. Il y a un mec qui me tire dessus, j'aime pas ça. Donc voilà, non, mais c'est à peu près tout. Alors après, il reste un petit peu des bugs, genre au niveau de la connexion aussi. Bon, c'est qu'une bêta, hein. Voilà, je tiens à le signaler. Bon. La connexion, des fois, on a tendance à se téléporter ou les autres types se téléportent aussi. Bon, c'est pas... Voilà. Mais ça, c'était vraiment au tout début. Je pense qu'ils ont réglé ça un peu. Donc là, vous voyez la partie, il y a la petite musique qui commence à se mettre. Elle est bientôt finie. Attends, mec. Calme-toi, mon gars. J'ai vu un type, hein. Ok, on est chaud. Franchement, on était chaud dans cette game, mon gars. Ah, dommage, on meurt pour la fin, dégoûté. J'aime bien la musique. Donc sur les petits temps de chargement, alors ça c'est un gros plus, les temps de chargement, bon c'est la bêta, donc peut-être que ça sera pas comme ça après. Les temps de chargement ne durent quoi? 5 secondes maximum, 10 secondes maximum, sans déconner. Ils sont vraiment hyper, hyper courts, de toute façon vous allez le voir là. Mais vraiment super courts les temps de chargement. Donc là on a fait un bon score, hein, 14-4. 14-2, le mec s'est gavé. Voilà. Donc on va changer un petit peu d'arme. On va tester le sniper qui est vraiment super cool. Déjà, la première bêta, il était génial. Mais là, oui, pareil. On va dire, c'est un gros. Voilà, 2 secondes là, le temps de chargement, vous avez vu, c'est un truc de fort. Bon, par contre, le sniper que j'ai, il est immonde. Le premier, hein. Mais sinon, les autres, voilà.
Celui-ci là, le A96, le L96, je crois au départ il s'appelait. Mais là ils l'ont mis AWM. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas. Ils ont pas les noms officiels pour chaque arme. Je sais pas. Parce que je sais qu'il y a certains jeux qui n'ont pas forcément les noms officiels parce qu'ils n'ont pas le droit en fait. Donc là je sais pas. Parce que j'ai jamais vu que Snipe s'appelait AWM ou je sais pas quoi. Donc je sais pas du tout. Faudra voir. C'est vraiment stylé quand on est au départ, c'est un putain de bruit de corps. Oh le bâtard, va putain. On voit, il hit marque le snipe là que j'ai parce que c'est de la merde un peu. Mais sinon, il est vraiment très maniable. Mais vous avez d'autres snipes qui sont beaucoup mieux que cette merde là. Tout simplement. Donc là, on va se mettre à des endroits un peu stratégiques. Tac, on va monter à gauche, ça me paraît une bonne idée, même si je fais énormément à découvert. Donc on a toujours notre petit gun pour nous sortir des situations difficiles. Ce mec, t'as tué mourir, c'est sûr. Désolé, j'ai pas parlé parce que là j'étais vraiment trop concentré. C'est trop chaud pour moi. Je vais vous montrer un truc, genre la mire, quand on la met comme ça, elle est ultra petite. Donc ça c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir assurer nos scopes assez facilement. Voilà. Ah c'était trop classe ce que je viens de dire. Parce que justement ça a confirmé. Ok, donc là il n'y a personne dans le spawn. J'ai vu un autre type, hein. J'ai vu un autre type et on va rentrer parce que sinon... Oh merde, putain. On va peut-être le contourner en faisant un gros bâtard. Attendez, on va essayer de le contourner parce que je l'ai vu. Oh merde. Ok, bon, ça se passe plutôt bien, sniper, on va dire. Hein. On va recharger notre arme secondaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas du monde? J'ai vu des petits marqueurs orange. Ça veut dire que ça va y avoir du monde là. On va voir. Ah merde, attends, non, jamais fermé la porte de secours. Ok, qui tire? Qui tire? Vous avez vu le monde à gauche? Oh, le monde qu'il y a à gauche. Attendez, on va aller voir. Bon, allez, ouais, quoique, on va peut-être retourner en arrière, en fait. Parce que si je me les tape de facial, ça va être assez compliqué pour moi. Merde, il est mort, connard. Oh là là, putain, la game au sniper, les gens, elle était violente. Hein. Elle était méga dard. Ok, merde. Donc, on va voir le score. 8-1. Ouais, bah, c'était plutôt stylé. Donc, j'espère que cette première vidéo sur la bêta, parce que j'en ferai deuxième, vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. À lâcher un j'aime aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, moi sur ce, les gens, je vous dis à plus, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.